Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes en direct de nouveau, dimanche de Pâques, et nous allons commencer notre petit confinorgue numéro 27. Eh oui. Voilà. 27. Donc 27, ben voilà, ça commence. Hein. On arrivera bien à 30, c'est-à-dire 30 jours, la moitié de notre confinement, à mon avis. Donc on a encore 30 jours à faire. Bon, 33. Sur ces bonnes paroles, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, le thème, c'est Paris. Paris, ça a été la capitale des événements de la Commune. La Commune, ça a été le temps des cerises. Jean-Baptiste Clément et Monsieur Renard ont écrit cette magnifique chanson qui contenait au départ 4 couplets. Il y a un cinquième qui a été rajouté pour la suite. Je ne vous le chanterai pas, on va le chanter l'original. Et donc pour la place du cinquième couplet que je ne vous chanterai pas, mais il reviendra le temps des cerises, ce couplet-là, on laissera un passage musical entre le 2 et le 3. Voilà, pour garder l'authenticité de la chanson. Jean-Baptiste Clément. Ah, d'ailleurs, à propos de cette chanson, je suis à la recherche de la partition d'une chanson écrite par M. Fugain et qui s'appelle Les cerises de M. Clément, qui est une sorte de réponse à cette chanson. Si quelqu'un a la partition, je suis preneur. Voilà. Alors, ensuite, nous allons nous balader ensemble dans Paris et plutôt du côté de Montmartre, du côté de la Butte.
Et nous allons faire le tour des places avec cette chanson qui est la seule que M. Brassens chantait dans ses récitals alors qu'elle n'avait pas été écrite et composée par lui. Il a repris des textes qu'il a mis en musique, mais celle-là, il n'est à l'origine ni de la musique, ni des paroles, mais il la chantait et elle s'appelle « De place en place » ou « La complainte des places de Paris ». Spéciale dédicace pour Cathy Imbert, qui adore cette chanson. Ça met un beau jour sur la butte, ça vient, on ne sait trop comment. Puis le cabriole en culbute, ça tombe dans les bras d'un amant. Un joyeux enfant de mon maître, qui pour deux m'offrit un beau jour. T'initie aux choses de l'amour, place du tertre. On a de la poitrine et des hanches, on sait qu'on est bien roulé, complet. Alors sur le coup de minuit, on se fait la place blanche. Puis pour un endroit particule, on change le sien trop durier. On se plante des couronnes majuscules sur son bicéphale à glorier. On s'appelle Gigi de Pantone ou Sophie de Pont-à-Mousson. Et l'on aborde son écusson, place Vendôme. Mais ça ne dure que tant d'un caprice, Paris d'inconstance est lassée. Pensant à d'autres artifices, délaissant son joujou grisé. Alors c'est le bourgeois qui nous loge, tout en lésinant sur les frais, dans un vieil hôtel du Marais, place des Vosges. Il sait la débouche et l'amour, l'amour quel métier d'enfer. Et le dernier acte de ce jour, la nuit sur le trottoir des ailes, dans les fumées glacées de l'aube, comme on ramasse les chiens crevés, on l'a ramassé sur le pavé de la place Vendôme. Et voilà pour cette magnifique chanson, la complainte des places de Paris. Donc nous sommes sur les places de Paris, restons ensemble sur la butte Montmartre pour cette magnifique complainte de la butte, écrite par Jean Renoir pour le film Moulin Rouge et par Monsieur Van Paris, un nom prédestiné, mais c'est écrit avec un Y. Voici la complainte de la butte que vous retrouvez sur mon premier disque, sur Manivelle. Là. Voilà. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue. C'est vers l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un patin printemps l'entendra quelque part au coin de rue.
Encore cette vidéo. Deuxième chose, le fameux concours. Mes cartons ne sont pas arrivés hier samedi. J'ai surveillé le facteur, mais à mon avis, il n'avait pas envie de travailler. Donc, je vous rappelle, parce qu'on me l'a demandé, les 5 auteurs, les 5 créateurs des 6 chansons. Donc, il y a 2 chansons qui ont été chantées par Michel Delpech. Une de Jean-Jacques Goldman, une de Nicolas Perrac, une de Maxime Le Forestier et une du chanteur Christophe. Ce qui fait en tout 6 chansons. D'accord ? Vous me donnez les titres de ces 6 chansons. Pour le moment, nous avons 3 personnes ex aequo. Jusqu'à présent, je vous disais 2. Mais une troisième personne s'est rajoutée. En fait, si on fait un mix de ces 3 personnes, on a les 6 titres. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes réponses. Ensuite, j'ai de quoi tenir avec mes cartons 4 jours. 4 jours là, les 4 jours qui viennent, 6 si les nouveaux cartons arrivent entre temps. Donc pour la suite, je vous invite à m'envoyer par message votre playlist de 4 titres que vous choisissez. J'ai mis sur mon Facebook la liste des chansons, donc vous choisissez les 4 qui vous plaisent le mieux, et puis j'annoncerai, tiens, je vais faire la playlist de Tartempion et je vous chanterai les 4 chansons. Voilà. Comme ça pour la suite, parce qu'après, j'ai plus de matière première. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire ? Ah, oui, je vous avais promis que je vous parlerai de cette médaille. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que cette médaille, parce qu'il y a des gens qui me demandent, t'as une jolie médaille, mais ça sert à quoi ? Donc, cette médaille, c'est une autorisation de chanter dans la rue, mais qui n'est plus valable à l'heure qu'il est, puisque dans les années 1830, les chanteurs de rue devait être un petit peu cadenassé parce qu'il y en avait beaucoup trop et qu'ils ne chantaient pas tous très bien et tout ça. Donc le préfet de la ville de Paris de l'époque a décidé de travailler avec des autorisations. Et donc pendant 1 ou 2 années, on ne sait pas bien, ces autorisations étaient données sous forme d'une plaque de métier. Il y avait des plaques de métier pour les bourreliers, pour les aiguiseurs de ciseaux, pour les vendeurs de peaux de bêtes. Et donc en 1834, il y a eu une série de médailles autorisant. Ensuite, ça a été fait sur papier. De ces médailles, il en reste en circulation en France 7, 4 qui sont dans les musées, une qui est au cou de mon ami Vonvon, une qui est à mon cou, et que vous voyez là, et une qui est au cou de mon ami Dédé la Manivelle, Dédé Oswald. Voilà. Et pour terminer notre tour de chant concernant Paris, une chanson beaucoup plus récente, mais qui parle de la plus belle avenue du monde, des Champs-Élysées. Et là, vous avez le droit de chanter avec moi la chanson de Joe Dassin aux Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui
gagné. On a chanté, on a dansé, et on n'a même pas songé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cornes, tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. Oh, se termine notre 27e, si je ne m'abuse, c'est ça, on est à 27 27e Confilorgue, demain le 28. Alors demain, qu'est-ce qu'il y a demain? Demain, qu'est-ce qu'il est prévu? Demain, il est prévu, je ne sais plus, je crois que c'est une spéciale Piaf, je dirais une spéciale Piaf comme ça, hein. Je crois que c'est une spéciale Piaf, on verra bien. Donc demain peut-être une spéciale Piaf. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, un excellent dimanche de Pâques. Attention au chocolat, pas trop, sinon crise de foie. Et je vous embrasse tous bien fort, je vous aime. Et rendez-vous demain à 16h. Pétante. Pétante.